chose. Je me considère comme un homme heureux. J'ai toujours été optimiste. J'ai toujours cru en la vie. Il a eu un impact sur toute la ville. J'ai vu un père que le peuple aimait profondément. Vous êtes le Robin des Bois d'Antioquia ? Notre pays est frappé par la puissance obscure et criminelle du narcotrafic. On va créer un chaos tel qu'ils nous demanderont la paix à genoux. Escobar tuait des magistrats, des journalistes, des policiers. Je les tuerai un par un depuis ma jungle, et c'est moi qui gagnerai. L'ennemi public numéro un de la société colombienne est le terroriste Pablo Escobar, qui sans pitié ni hésitation tue des innocents, hommes, femmes et enfants. Je le croyais immortel. Ici Pablo Escobar de Medellín. Carte d'identité numéro 8, 3, 4, 5, 7, 6, 6. Enregistrez ma voix, sinon ils vous diront que quelqu'un s'est fait passer pour moi. Il disait que si à 30 ans, il n'avait pas gagné 1 million de pesos, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. On ne peut pas vivre sans argent. Mon père a commencé dans le trafic d'appareils électroménagers. Mais il a vite compris que la cocaïne était bien plus rentable, que ça prenait moins de place et qu'il y avait un marché à conquérir en Amérique. À l'époque, le trafic de drogue n'était pas un péché en Colombie. Tout le monde était plus ou moins complice. Il y avait même des articles de presse qui vantaient le côté glamour de la cocaïne, qu'elle était de toutes les fêtes aux États-Unis. Mon père a profité de cette mode pour amasser une fortune colossale en très peu de temps. Il a eu un impact sur toute la ville. C'était un dieu pour moi. Avant de le connaître, je pensais avoir affaire à quelqu'un d'arrogant, d'indifférent. Or, il était exceptionnel. Je me souviens de la fois où il m'a donné un bout de poulet rôti, comme ça, hop. J'ai commencé à douter de ce trafic en entendant plusieurs personnes en dire du mal. La presse a enquêté, on nous harcelait. Avant, je ne voyais pas où était le mal. C'est en juin 1976 que le nom d'Escobar est associé pour la première fois au trafic de drogue. Il est arrêté en possession de 19 kilos de cocaïne. Il avait fait entrer quelques kilos de coke ou de pâte de coca en provenance d'Équateur. Il est libéré quelques mois plus tard. Les gens savaient que c'était un parrain de la drogue, mais pour eux, c'était positif. C'était avant les violences. Un magazine évalue votre fortune à 5 milliards de dollars. Un chiffre pareil, non. Tout ça, ce sont des histoires à dormir debout. À combien s'élève-t-elle alors? Comme dit le proverbe, en matière de richesse et de bonté, le bon chiffre, c'est la moitié de la moitié. Sa plus grosse folie reste la Hacienda Napoles. C'était vraiment énorme. Il a fait construire 70 km de route sur le domaine. 20 lacs, dont certains très grands. Et aussi une piste d'atterrissage pour faciliter ses visites à la famille. Il signait des chèques en blanc à tout le monde. Tout ce que tu voulais, tu l'avais. Un jour, on voyageait tranquillement en famille aux États-Unis, en touriste. On a visité des zoos dans la région de Dallas. Et d'un coup, sans prévenir, il me dit,
Chérie, on va acheter des rhinocéros, des zèbres. Et je ne sais quoi encore. Il a importé tout un zoo. Illégalement. On ne s'attendait pas du tout à recevoir 12 000 personnes tous les week-ends. Pablo était heureux de voir les gens admirer quelque chose qu'ils ne verraient jamais de leur vie, même pas à la télé. C'était vraiment une vie d'opulence. Napoles, c'était le paradis du mal. Il y avait là-bas le parfum de l'aventure et du mal. Il y avait beaucoup de coke qui partait vers l'Amérique. Le patron faisait torturer des gens aussi. Mais il fallait enterrer les corps ailleurs. Un jour, on discutait, lui et moi, et j'ai vu arriver un type qui bossait pour lui, et qui apparemment avait détourné 3 ou 4 millions de pesos dans son dos. Il lui a attaché les pieds, et une fois qu'il était entièrement ligoté, il l'a poussé dans la piscine. Le type s'est noyé. Mais quand Escobar l'a poussé, il a dit « Voilà ce qui arrive à ceux qui me volent. » Quand j'étais petit, je l'accompagnais partout. Dans les quartiers pauvres, aux inaugurations de centres de santé, j'ai vu un père que le peuple aimait profondément. On vient d'inaugurer l'éclairage public ici, dans le quartier Las Flores d'Envigado. Des travaux offerts par une initiative civique de Pablo Escobar Gaviria. En 1983, on a lancé un programme de plantation d'arbres dans tous les quartiers de la municipalité. J'adresse un salut spécial à tous les athlètes et à la jeunesse des quartiers modestes et un grand merci à toutes les personnes qui ont participé aux différents chantiers. Merci beaucoup. Il construit des terrains de foot, des lotissements, etc. Il a fait installer des gradins, des projecteurs. Il y avait 7000 personnes. Le stade est dans le noir. Escobar arrive, ça s'allume, et tout de suite, 7000 personnes qui scandent Pablo, Pablo, Pablo. En direct d'Envigado, un triomphe pour Pablo Escobar après ce formidable coup de pied. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Pablo Escobar. Il fait la une de l'hebdomadaire Semana, qui le présente comme le nouveau Robin des Bois. À partir de là, il devient un personnage public. Vous êtes le Robin des Bois d'Antioquia? C'est très intéressant comme qualificatif, car tout le monde sait qu'il se battait pour les masses populaires et qu'il les défendait. Un jour, il arrive à la maison, il me dit « Je reviens de la décharge de Moravia. Je vais construire de vraies maisons à ces gens. Il faut les sortir de leur taudis. » J'ai de très bons amis dans l'église, des évêques, des prêtres, et je connais des docteurs et des avocats qui vivent dans des quartiers modestes. Mais mes meilleurs amis sont ceux du bidonville de la décharge municipale. On a lancé la construction d'un quartier pour régler le problème des bidonvilles de Medellín. Il a fait venir ici tous les gens de la décharge et il a donné une maison à tout le monde. Qui fait ça? Je vous le demande. Qui? Personne. Personne à part lui. Quelque part, il a donné de l'espoir à tous ceux qui n'attendaient plus rien de la vie. Bien sûr qu'il voulait jouer le rôle de Robin des Bois. Ce quartier, c'était son idée. Mais il ne l'a pas financé lui-même. Il a appelé plus de 150 personnes qu'il a obligées à donner de l'argent. Mais les honneurs, c'était pour lui. Sa famille avait beau jeu de dire que cet homme avait de bons côtés. Franchement, je n'y crois pas.
Il prenait du plaisir à donner, à partager. Rien n'était jamais gratuit avec Escobar. S'il vous donnait quelque chose, vous étiez tenu d'en faire autant. Je me souviens qu'à Noël, il achetait des cadeaux pour des milliers de gens. Il les distribuait partout à Medellin, dans les barrios, tout autour de la Hacienda Napoles. Il le faisait pour que la population l'alerte de toute présence policière. Quelque part, il finançait sa propre protection. Mais ça, ils ne le voyaient pas. Pour eux, c'était une sorte de Père Noël. Ceux qui prétendent qu'il faisait ça pour lui et pour se donner de l'influence, ils se trompent, car il avait du cœur. Je me considère comme un homme heureux. J'ai toujours été optimiste. J'ai toujours cru en la vie. Il rêvait de faire lui-même tout ce que la classe politique ne faisait pas. Il y consacrait son temps et sa fortune. Un jour, il m'appelle pour me dire « Tu veux bien me soutenir dans ma campagne ? Je me lance en politique. » Qu'il se lance, pourquoi pas ? Mais il me l'a présenté comme un devoir envers la société. Quelles sont vos idées politiques ? La principale idéologie de notre mouvement repose sur le civisme, le nationalisme, les programmes sociaux, écologiques et sportifs. Par l'intermédiaire de notre programme, nous voulons lancer un appel à tous les citoyens pour qu'ils fassent triompher le civisme. Les places publiques étaient noires de monde. J'avais du mal à comprendre tout ça. Même politiquement, c'était très impressionnant qu'un homme puisse déplacer des foules. C'est lors de la campagne pour les présidentielles de 1982 que mon père apprend l'existence de Pablo Escobar. On l'informe que Jairo Ortega, un responsable politique d'Antioquia, a proposé à Pablo Escobar le poste de suppléant sur la liste du nouveau parti libéral. Le coordinateur du nouveau parti libéral appelle mon père pour lui dire qu'il voit en M. Escobar quelqu'un de très étrange, de très riche aussi, qui offre des cadeaux aux pauvres sans que personne ne sache d'où vient l'argent. Alors mon père, lors d'un meeting de campagne à Medellín, déclare publiquement que Pablo Escobar et Jairo Ortega ne seront pas présents sur les listes du nouveau parti libéral. Il prend la parole pour les exclure du parti. Je viens vous dire que l'aristocratie et le galanisme peuvent trembler. Avec votre appui, nous écraserons les marionnettes créées par l'oligarchie colombienne. Merci beaucoup. Un grand leader politique vient le voir et lui dit « Pablo, avec la puissance que tu as, ta fortune et ton talent, tu pourrais être le président de ce pays. » Pablo voulait devenir président. Il décide alors de se présenter sur la liste officielle du Parti libéral. C'est par ce biais que Pablo Escobar est élu au Congrès. Longue vie aux camarades Escobar! Longue vie à la révolution libérale! Le peuple a voté pour nous et nous a choisis pour le représenter au Congrès. Escobar avait de l'ambition. Le pouvoir, ce ne sont pas les armes ou l'argent, mais la politique. Son ascension politique fut très rapide. Il avait de quoi la financer. Les amis du Congrès me demandent de l'argent. Prends ça pour des contributions spéciales. Je préfère leur donner ce qu'ils veulent à tout cela. Le ministre de la Justice, Rodrigo Lara. Rodrigo Lara, dès qu'il est nommé ministre de la Justice, sous la présidence de Belisario Betancourt, lance des débats très animés
sur ce qu'on appelait l'argent chaud. On a associé votre nom à la polémique qui fait rage sur ce qu'on appelle l'argent chaud. Qu'en pensez-vous ? Je n'en parlerai pas en ces termes. J'appellerai ça l'argent de l'amnistie. Le pays doit connaître la vérité sur certaines fortunes ayant fait l'objet d'une amnistie, mais que leurs détenteurs confondent avec un pardon pour les crimes qui leur ont permis d'amasser ces sommes colossales. Vous affirmez qu'il n'existe aucun lien entre votre fortune personnelle et le trafic de drogue ? J'ai toujours fait en sorte de ne pas être mêlé à ce genre de choses. Rodrigo Lara se lance dans une confrontation avec Pablo Escobar au Congrès. Car la présence d'un baron de la drogue est mauvaise pour la démocratie. Les travaux de la session parlementaire portent sur les fonds d'origine douteuses qui ont éclaboussé la classe politique colombienne. Voici l'intervention de Jairo Ortega, dont le suppléant est Pablo Escobar. J'aimerais poser une question au ministre de la Justice. Mon père a lancé des accusations qui lui valent d'être accusé à son tour d'avoir reçu 1 million de pesos pour financer sa campagne. Un chèque d'1 million de pesos à l'ordre de Rodrigo Lara. Je révélerai ici les circonstances de son encaissement et ce à quoi il a servi. Le ministère de la Justice n'est pas en mesure de nier les preuves concrètes présentées par mon confrère, le député Jairo Ortega. La réaction de Rodrigo Lara ne s'est pas fait attendre. Il a élargi son offensive contre les trafiquants de drogue. Je présidais l'Assemblée ce jour-là et pendant les interventions des uns et des autres, j'ai vu que les gardes du corps d'Escobar étaient là. C'était tendu. Plusieurs enquêtes ont été lancées aux États-Unis. Je ne peux rien en dire encore, mais je peux vous dire qu'elles concernent les activités délictueuses. Le suppléant de Jairo Ortega. C'est une attitude suicidaire qu'il adopte. C'est une déclaration de guerre. Le ministre de la Justice m'accuse de manière injuste. Il ment quand il dit que le gouvernement américain enquête sur moi. Voici le passeport officiel qui prouve que le gouvernement américain m'a accordé un visa touristique dans son pays. J'ajoute que je m'y rends assez souvent. Au Congrès, Escobar n'était pas un super orateur. C'est ce qui permet à Rodrigo Lara et à son parti de l'humilier verbalement et de le priver de son immunité parlementaire. J'espère que le peuple colombien ne va pas se déchirer. J'ai toujours défendu la paix avant tout le reste. J'ai voulu me lancer en politique parce que je sentais le besoin de servir la communauté. Mais je décide aujourd'hui de me retirer définitivement parce que je considère que je la servirai mieux à travers ma propre action et sans me mêler de politique. Un jour, Escobar m'a parlé de son passage en politique en ces termes. Tu sais, les vrais mafieux, ce sont les politiques. Lara l'attaque de plus belle et veut intervenir rapidement. Et le bouquet final de son action, c'est Tranquilandia. On découvre là-bas 14 mètres cubes de plantes de coca. 6 labos, des pistes d'atterrissage, tous ces avions. C'était une industrie. J'ai interviewé Rodrigo Lara dans mon émission de télé. Et on a parlé de la mort. J'aurais besoin d'être protégé quoi qu'il arrive. Ne serait-ce que pour éviter qu'on me fasse payer mon action contre cette bande de criminels. On verra comment ça se passe ces prochains jours. Le 30 avril 1984 à 19h30,
Un tireur a appuyé sur la gâchette de son arme automatique. Il a assassiné le ministre de la Justice, Rodrigo Lara. Je savais qu'il s'était passé un truc grave. Je demandais « Où est papa? Où est papa? Où est papa ?» Et on me disait « Tu vas le voir, tu vas le voir, tu vas le voir. » On arrive à Neiva, on est accueillis par une foule immense. Alors je me demande « Mais c'est qui dans le cercueil ?» Je comprenais pas. Et puis un de mes cousins m'a pris dans ses bras, et là je me suis mis à pleurer. Plus moyen de m'arrêter. Ahí fue entonces la lloradera, lloradera muy larga. La Colombie livrera ses criminels à tous les pays qui ont subi leurs délits et qui en feront la demande pour qu'ils soient punis de manière exemplaire dans le cadre d'une opération universelle qui répond à une attaque non moins universelle. Belisario Betancourt. Au lendemain des funérailles de Rodrigo Lara, le président de l'époque, Belisario Betancourt, annonce qu'il appliquerait pleinement le traité d'extradition. Mais les mafieux trouvent refuge au Panama, où ils bénéficient de la protection du général Noriega, qui dirige le pays. Je vivais avec mon mari, et du jour au lendemain, il fallait qu'on quitte le pays. Je savais que le ministre de la Justice venait d'être tué, que la situation était très complexe. Mais pourquoi il fallait que je parte? En quoi ça me concernait? Je devais accoucher de Manuela 2 semaines après. Le 6 mai 1984, l'armée entre pour la première fois dans ce qu'on appelle la forteresse de Pablo Escobar, la Hacienda Napoles, à Doradal. Alors, quelle nouvelle? Il y a 11 camions militaires qui sont entrés à Napoles. Ok. Ils ont pour ordre de rester. Maintenant, faut voir ce qu'ils sont prêts à faire pour arrondir leur fin de mois. Le 6 mai 84, Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa et Rodriguez Gacha se sont rendus au Panama pour y rencontrer l'ancien président colombien Alfonso López Michelsen, qui s'y trouvait en qualité d'observateur des élections panaméennes. Les barons ont tenu à faire savoir qu'ils n'ont rien à voir avec le meurtre du ministre de la Justice. Après avoir admis qu'ils contrôlaient les 3/4 de la production de cocaïne en Colombie, ils ont formulé une demande d'amnistie au gouvernement. Le cartel a proposé au gouvernement Betancourt le démantèlement de ses labos, l'arrêt du marché de la cocaïne et la restitution de sa fortune pour contribuer au paiement de la dette extérieure du pays. Ils étaient disposés à se rendre. Je lui dis que rien ne sera possible sans la collaboration, l'approbation ou le consentement du gouvernement américain et de la DEA. Il reconnaît alors la nécessité d'informer les Américains de l'existence de cet accord. Comment peut-on décemment conclure une paix avec ceux qui viennent d'assassiner le ministre de la Justice? C'est de nature à créer un précédent dans le pays. Il ne fallait pas donner l'impression qu'ils obtiendraient ce qu'ils voudraient. Nous vous informons qu'il y avait des négociations en vue d'un arrangement, mais tout est tombé à l'eau parce que les services secrets colombiens et les gringos n'en voulaient pas. La drogue menace notre société, nos valeurs. Elle ronge nos institutions et tue nos enfants. 37 agences fédérales coopèrent dans un vaste programme national. Et dès l'année prochaine, le budget consacré à la lutte contre la drogue sera plus que triplé par rapport à 1981. Le gouvernement Betancourt a rejeté la proposition et refusé publiquement toute transaction avec les barons. Il y avait des tas d'histoires qui circulaient, comme celle des 50 mafieux colombiens en train de faire du jogging en survêt sur les boulevards de Panama City, avec 50 Mercedes pour les escorter. Cela prenait des proportions folles. Sur place, il y a
avait la DEA et la CIA aussi. Du coup, le général Noriega leur a demandé d'arrêter ces footings. Arrêtez de trotter dans les rues de Panama City. Partez. Escobar se réfugie au Nicaragua. Il propose aux Nicaraguayens, aux sandinistes, de construire un laboratoire sur place. Escobar discute avec Ortega, c'était le président du Nicaragua. Et en lisant entre les lignes, il sent qu'Ortega va le livrer aux Américains. Escobar n'ira même pas au bout de sa discussion avec Ortega. Il monte dans une voiture, fonce vers l'aéroport et il s'envole pour la Colombie à bord de son avion. Quand les sandinistes viennent le capturer, il est déjà parti. L'information du jour dont nous n'avons pas fini de parler concerne l'assaut contre le palais de justice. Escobar a contribué au financement de cet assaut. Il l'a fait pour pouvoir brûler les fichiers concernant toutes les affaires en cours, en tuant au passage un maximum de magistrats de la Cour suprême pour ne pas avoir à le faire plus tard. Le ministère de la Défense a fourni le bilan humain et matériel de cet assaut. 12 magistrats ont été tués, plus un auxiliaire, 6 policiers, dont 2 officiers, 1 sous-officier et 3 agents, plus un officier de l'armée. Pour vous, pour vos enfants, pour la Colombie, dénoncez les trafiquants de drogue. On recherche Pablo Escobar. Coopérez, dénoncez, informez. Malgré de nombreux avis de recherche à son effigie, où il apparaît comme le chef du cartel le plus puissant du monde, il échappe à toutes les poursuites et à toutes les opérations qui se terminent invariablement par « on a vraiment failli le capturer ». Qui l'informait et comment, cela reste un mystère. Il y a eu beaucoup d'opérations contre Escobar. On savait où il était, mais à chaque fois, il s'échappait. Rassemble 4 ou 5 gars pour qu'ils appellent le numéro qu'on voit à la télé. Il faudrait qu'ils donnent de fausses informations pour les occuper et faire diversion. Hier, ils ont reçu un appel disant qu'on était dans un hôtel. Ils sont arrivés, ils ont tout retourné. On va les rendre dingues. À l'époque, Pablo Escobar était un ami de la police de Medellín. Allô, quoi de neuf? Allô? Oui, Maza Marquez envoie 400 hommes à Medellín. Il prépare une grosse intervention pour demain ou après-demain. Je compte sur les pilotes. Ils nous préviendront. Ils ont dit qu'ils ne tireraient pas. Mais on va tirer, nous. Oui, mais pas sur eux. Eux, ils ferment les yeux. Le colonel Valdemar Franklin arrive à Medellín. Un incorruptible, un flic intègre. Je me souviens d'une fois, on revenait de la Hacienda Napoles et on nous a arrêtés. J'étais pas vieux, j'avais quoi, 7 ans. Et ma sœur était encore bébé. Ils ont oublié de nourrir ma petite sœur. Le responsable dans la police, c'était Valdemar Franklin. Mon père, ça l'a tellement mis en colère qu'il a tout de suite voulu le faire assassiner. Il a dit, qu'ils me recherchent, c'est moi le bandit, mais pas touche à ma famille, ce sont les miens, et ils n'ont rien à voir là-dedans. Le patron nous ordonne de tuer le colonel avec une voiture piégée. On a confié le détonateur à un gamin. Le gosse voit une Mercedes 230 qui arrive, une escorte policière, et il fait exploser la bombe. On l'a entendu au loin. Là-dessus, on va voir le patron. Pour lui dire, c'est fait patron, le colonel Franklin est mort. Il nous répond, regardez les infos. Vous venez de tuer le gouverneur d'Antioquia, Antonio Roldán Betancourt. Il est resté calme. Pourtant, il était ami avec le gouverneur. En plus, Betancourt était proche d'Escobar politiquement. Avec une bonne campagne, il serait devenu président. C'était trop tard. Le gouverneur était mort.
Pablo, à l'époque, se prenait pour le chef de toutes les structures criminelles de Colombie. On avait des alliés dans notre lutte contre l'extradition. Les frères Rodriguez Orejuela. Pablo Escobar les a appelés, car on leur avait rendu des services par le passé. Salut. Alors, quoi de neuf? Ça va? Dis-moi. Le noir n'arrête pas de me dire que le cartel de Cali veut nous éjecter, sous prétexte qu'on marche sur leur plate-bande à New York. On va voir qui sont les hommes. Qui a vraiment du courage? On va le prouver maintenant. Pablo lui dit, si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Tu as 24 heures pour te décider. Et il raccroche. Les violences ont fait de nouvelles victimes la nuit dernière en Colombie. Une tuerie dans une luxueuse propriété des environs de Cali a fait 19 morts et 10 blessés. C'est le début de la lutte entre les cartels de Cali et de Medellín. On n'avait plus un ennemi, mais deux. L'État et un autre cartel. Ceux de Cali à Medellín, il fallait les tuer. Pareil dans l'autre sens. Les chefs du cartel de Cali font savoir qu'ils ne tolèrent pas ce genre de menace. En moins de 24 heures, ils engagent des hommes pour faire sauter la résidence d'Escobar, l'immeuble Monaco. La première voiture piégée de l'histoire de la Colombie a explosé le 13 janvier 88 à l'immeuble Monaco à Medellín. Ma petite sœur est née en 84, donc elle avait 4 ans. Moi, je suis né en 77, j'avais 11 ans. En tout, il y avait 700 kilos de dynamite. Toutes les vitres ont été soufflées à 1 km à la ronde. Le but était de nous rayer de la carte. C'est un miracle que je puisse vous en parler. La bombe devait entrer par la porte du garage. Sous l'effet de l'explosion, l'immeuble aurait dû s'effondrer complètement. À partir de là, pour mon père, plus d'hésitation. Tous les prétextes sont bons pour faire usage de la violence. Une seule bombe contre sa famille. C'était 200 attentats dans la foulée. La violence était le plus souvent du fait du cartel de Medellín, sous le surnom des extradables, un groupe de trafiquants financé par tous les cartels et qui engendrait de la corruption au niveau de l'État et du terrorisme. C'est injuste d'être jugé dans un autre pays que celui dans lequel on a commis un délit qui n'est pas puni par les lois colombiennes. Ils n'ont peur que d'une chose, de l'extradition. Mon frère, on a décidé que chaque peso servira à brûler les maisons des riches, à éliminer les politiques, les militaires et les policiers qui nous emmerdent, les juges qui nous emmerdent, les journalistes. Quand il refait surface, il dit « Nous sommes les extradables et nous dénonçons cette société qui nous exclut, nous persécute, nous traite injustement, nous stigmatise et n'accepte pas nos enfants à l'école. » Il ne se limite pas aux persécutions policières ou judiciaires. Il dénonce le fait de ne plus avoir de place dans la société. Ces fils de pute nous traquent parce qu'on nous colle des trucs sur le dos. Ils pensent que je reste calme parce que je n'ai plus les moyens de combattre. Ces fils de pute confondent noblesse et faiblesse. Ils vont voir ce que ça fait quand je me lance dans une guerre totale. Escobar était un homme très violent. Et avec sa puissance, il pensait tenir tête à l'État. Ce personnage a réussi ce que personne n'avait jamais fait. C'est-à-dire faire du trafic de drogue un business si sanglant qu'on a parlé ensuite de narcoterrorisme. Escobar tuait des juges, des magistrats, des journalistes, des policiers. On a vu se succéder les cadavres,
les vengeances, les abus permanents. On soupçonne Pablo Escobar d'avoir commandité le meurtre du procureur Carlos Hoyos. Il n'a en revanche jamais comparu, alors qu'on l'entend, semble-t-il, donner l'ordre fatal dans un enregistrement que le juge spécial Oscar Hernandez n'a jamais considéré comme une preuve. Le patron m'a demandé d'expliquer à Hoyos les raisons de son exécution. Je lui ai dit, on va te tuer parce que tu as trahi le pays. Mais j'ai trahi qui ? Demande-t-il. Tu t'es trahi en recevant de l'argent de la DEA et de la mafia et en autorisant l'extradition de Colombiens aux États-Unis. On l'a exécuté juste après. Tous ceux qui lui barraient la route, s'ils n'acceptaient pas l'argent, ils ramassaient du plomb. Ils les assassinaient. Tous ceux qui lui barraient la route, s'ils n'acceptaient pas l'argent, ils ramassaient du plomb. Les seuls ennemis sont ceux qui ont recours à la terreur, à la violence, ceux qui font taire le peuple colombien, ceux qui intimident ou tuent les acteurs de cette société. Luis Carlos Galán devient célèbre parce qu'il se dresse face à Pablo Escobar, aux trafiquants de drogue. Et il est favorable aux extraditions. Notre pays est frappé par la puissance obscure et criminelle du narcotrafic. Depuis 1982, un an avant l'arrivée de Rodrigo Lara au poste de ministre de la Justice, le nouveau Parti libéral est la seule force politique colombienne qui s'oppose à ce terrible adversaire de la société ou de l'organisation des institutions. À l'époque, la politique, c'était une activité publique. Ça se passait dans la rue. Il y avait une liesse populaire. J'ai vu les gens attendre mon père pendant 5, 6, 7 heures. Esperando a mi papá. On apprend qu'on l'a emmené à l'hôpital Kennedy. On arrive, le médecin demande si on veut le voir. Il était juste à côté, sur un brancard. Ma mère et mes frères y sont allés. Moi, je ne m'en sentais pas capable. Sur le moment, je n'ai pas pu. Ensuite, on a vu plein de gens arriver à l'hôpital. No podíamos respirar. Plus respirer. Si on tue encore des policiers, qu'on brûle leur maison et qu'on aggrave la guerre civile, ils n'auront pas le choix. La paix, ils nous la demanderont à genoux. Comme ça, on réglera tous nos problèmes d'un coup. Je vois pas d'autre solution. Il faut qu'on se batte avec notre cœur. Si on doit tous mourir, tant pis. Je voulais dire un mot aux funérailles. J'avais écrit mon discours.
À la fin, j'ai changé la dernière phrase qui était « Allons de l'avant, ne reculons jamais, et ce qui doit être fait, faisons-le. » Je devais dire ça. Je demande à César Gaviria, à qui nous confions les drapeaux de mon père, d'être le président que veut la Colombie. Sauver la Colombie. Allons de l'avant, ne reculons jamais, et ce qui doit être fait, faisons-le. La campagne électorale a été très compliquée à cause de la menace terroriste. La campagne s'est déroulée malgré de nombreux attentats. La campagne a été horrible. Le remplaçant de Galán, s'il adoptait la même position contre le trafic de drogue, et c'est ce que voulait Gaviria, deviendrait le premier ennemi d'Escobar et des extradables. Voici l'ordre que les extradables lancent à l'intention du pays. Quiconque s'allie à César Gaviria doit être criblé de balles. Quiconque s'associe à Gaviria est un homme mort. Ils font sauter un avion d'Avianca avec à bord des membres de son équipe de campagne. Finalement, plusieurs réunions ont été annulées, ce qui fait que les billets ont été échangés contre un vol ultérieur. Escobar a fait sauter le vol de 7 heures. Tu m'as dit que c'était bon pour l'avion. C'est réglé ? Oui, c'est 10 pesos pour le virement. Mais c'est bon, il l'aura dans la demi-heure. La bombe était déjà à bord. Elle était programmée. Le cartel de Medellín, ça ne le dérangeait pas de faire sauter un avion. C'est la République de Colombie qu'on visait. L'explosion de l'immeuble de la DAS, c'était à l'époque le plus gros attentat du monde. Finalement, le bus n'est pas entré dans le bâtiment, sinon il aurait fait encore plus de dégâts. La bombe était dans un fourgon qui a emprunté cette rue à 7h15. Trois hommes en sont sortis. Trois minutes plus tard, voilà le résultat. 1989, c'est l'année la plus terrible pour la Colombie et la plus bénéfique pour la mafia. C'était un état de crise permanente. On avait du mal à maintenir l'ordre. C'était vraiment affreux ce qui se passait. Certains jours, il y avait 1000 bombes qui explosaient et qui pouvaient tuer des passants. Aujourd'hui, à 6h30, une voiture remplie de dynamite a explosé devant les locaux du quotidien El Espectador. Depuis une dizaine d'années, El Espectador est l'un des symboles de la lutte contre le trafic de drogue. Cet attentat démontre une fois encore l'insolence des chefs des cartels. Pablo Escobar comprenait très bien les médias. Mais il pensait, à tort, qu'il pourrait les faire plier. Au patron du Tiempo, j'annonce une très grosse surprise pour eux. Un truc qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Je vais les prévenir et on verra s'ils changent d'attitude. Si rien ne change, à toi de voir. Je peux pas faire plus, il n'est pas à moi ce journal. Au journal El Tiempo, on avait installé un engin de défense antiaérienne sur le toit, car on nous avait dit qu'ils enverraient un avion plein d'explosifs sur notre immeuble. C'est au beau milieu d'une guerre qui fait des morts, mais aucun prisonnier, que le président Gaviria a pris ses fonctions. De nombreux journalistes du pays sont alors enlevés pour faire abroger les accords d'extradition vers les États-Unis. On a mis en place une mesure très controversée, que l'on appelait à l'époque la soumission à la justice. Ces mesures qu'utilisent déjà d'autres pays du monde, comme les États-Unis et l'Italie, prévoient la réduction des peines pour les crimes avoués et pour ceux qui se rendent d'eux-mêmes à la justice. Elles garantissent en outre un procès dans leur pays d'origine. Tu peux me résumer ce qu'il a dit ?
Le président a dit qu'il réfléchissait à des peines moins sévères contre ceux qui se soumettent tout seuls à la justice. Ok, c'est toujours bon à prendre, ça. À l'époque, la peine maximale d'emprisonnement, c'était 30 ans. On a pris 7 ans d'entrée, plus 7 pour ce qu'on a avoué. Pour bon nombre d'entre eux, ça a marché, mais pas pour Escobar. Pour lui, pas question de se rendre sans abrogation des accords d'extradition. On mettait l'avenir du pays en danger. Les éditos étaient très agressifs envers Escobar et les trafiquants de drogue. J'étais dans l'œil du cyclone. Hier soir, un commando d'hommes déguisés en policiers a enlevé le rédacteur en chef d'El Tiempo, Francisco Santos. J'ai voulu savoir si j'étais prisonnier des FARC ou de Pablo Escobar. Le type avait l'accent de Medellín, donc j'ai dit, c'est Escobar? Lui, oui, Escobar. Je me suis dit que j'étais foutu. Cette flamme représente l'espoir de paix des Colombiens. Elle brûlera ici, Plaza de Bolívar, à Bogota, jusqu'au retour des personnes kidnappées. On craint toutefois que l'attente soit longue. Je ne pensais vraiment pas m'en sortir vivant. Un jour, je reçois une lettre de sa part. Il écrit qu'il regrette ce qu'il m'arrive, que ces hommes ont pour ordre de bien me traiter, mais que je devais comprendre qu'une guerre fait toujours des victimes et qu'il espérait que je n'en devienne pas une moi aussi. La seule chose qu'ils m'ont autorisé à dire au président, c'est « Faites votre possible pour nous sauver, mais pensez d'abord aux droits et à la Constitution. » C'était un vrai combat pour sauver la démocratie. L'Assemblée votait en sa faveur. Il voyait que les Colombiens n'en pouvaient plus de cette violence. Il nous a relâchés. Vous êtes content de rentrer? Oui, bien sûr. Je vous répète ce que j'ai entendu pendant ma détention. En discutant avec une personne qui ne faisait pas partie de mes ravisseurs, Escobar est disposé à se rendre. Tous les candidats, à très peu d'exceptions près, étaient favorables à l'interdiction des extraditions. L'extradition des Colombiens de naissance est interdite. Escobar attendait la décision de l'Assemblée nationale. La fin des extraditions, honnêtement, ça a été une grosse victoire pour Escobar et une cinglante défaite pour nous, les États-Unis. Voici le décompte total. Exprimé 69. Oui, 51. Non, 13. Abstention 5. Pablo Escobar s'est rendu lui-même aux autorités quelques heures après l'abrogation des lois d'extradition par l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela signifie pour la Colombie et pour le gouvernement? Il y a de quoi être satisfait, car nous sommes en train de sortir du narcoterrorisme et parce qu'Escobar s'est rendu à la justice colombienne. Dans le cadre d'une politique de paix et de consolidation du système judiciaire tel qu'exposé par le président et son cabinet, je suis prêt à rester en prison aussi longtemps que nécessaire pour contribuer au renforcement de la démocratie dans ma Colombie bien-aimée. Un hélicoptère emmène Pablo Escobar vers une prison très spéciale, la cathédrale. L'hélico d'Escobar atterrit. Et tout le dispositif de sécurité se délite. Parce que tout le monde voulait voir Pablo Escobar. Il nourrissait tellement de fantasmes. C'était le génie du mal, un personnage de légende. En me rendant et en me soumettant à la justice, je rends aussi hommage à mes parents, à mon irremplaçable épouse, à mon fils pacifiste de 14 ans, à ma petite princesse de 7 ans et à toute ma famille que j'aime tellement. Pablo Escobar Gaviria, 19 juin 1991. Il était pâle. On voyait qu'il avait peur. Vraiment. Il nous a juré qu'il ne nous laisserait pas tomber cette fois. Escobar s'est rendu pour que sa famille puisse vivre en paix. Il ne supportait plus ce qu'elle subissait. Je pense que la prison de la cathédrale
C'était une intention sincère de la part de mon père, après nous avoir bien écoutés, nous, les siens, de trouver une issue négociée à tous les problèmes que nous traversions. Quand Escobar s'est présenté à la cathédrale, c'était un jour de deuil dans mon service. J'en étais malade. J'étais vraiment très déçu. Le président prévoit-il des mesures particulières en ce qui concerne la reddition de Pablo Escobar? Est-ce qu'il fera l'objet d'une procédure judiciaire normale? Les conditions exposées par l'avocat de Pablo Escobar concernent uniquement sa sécurité et rien d'autre. C'est le patron qui a construit la cathédrale, le mur d'enceinte et la clôture électrique. L'interrupteur de la clôture, il l'avait dans sa cellule. La cathédrale, c'est le palais du luxe, des excès, des fêtes. Pour mon père, ce n'est pas une prison, mais juste un domaine parmi d'autres. Les surveillants, c'était de la blague. Quand on allait lui rendre visite à la cathédrale, on retrouvait tous ces hommes de main déguisés en gardiens de prison. C'était une farce. Il fallait qu'on trouve une solution judiciaire. Donc, bien sûr, le fait d'accepter certaines conditions de sécurité représentait un défi pour l'État. Mais nous n'étions clairement pas préparés à vivre ce genre de situation. Escobar n'était plus trafiquant de drogue, mais il extorquait de l'argent à ses associés. Escobar étant en prison, ses associés prennent des libertés. Comme ils se rebellent contre lui, il les appelle pour se mettre d'accord ou les fait assassiner. Il a beaucoup divisé la mafia. Pablo Escobar n'était pas en prison. Il a commis l'erreur de tuer des membres des familles Moncada et Galeano, qui d'après lui l'avaient trahi. Ce n'étaient plus des amis. Ils ne nous donnaient plus rien. Ils étaient moins proches de nous que du cartel de Cali. Le patron a fait le point. C'était un guerrier, et un guerrier, ça fait la guerre. Il a pris cette décision, car il a toujours été sur la brèche. À la cathédrale, Galeano a été tué par balle. C'est Otto qui l'a tué. Moi, j'ai tué Kiko Moncada. Leurs corps ont brûlé toute la nuit. Le lendemain, il restait les os. C'est le plus dur à brûler. On les a écrasés à la masse et on a versé de l'acide dessus. Comme ça, plus de Kiko, ni de Galeano. Quand le patron m'a donné l'ordre de tuer Kiko, je l'ai fait. Mais je n'en ai pas dormi de la nuit. C'était mon second père que je tuais. Je lui ai mis une balle dans la tête pour ne pas qu'il souffre. Le gouvernement décide de transférer Escobar de sa prison de Medellín vers une caserne à Bogota. Le gouvernement a envoyé 5 camions avec des hommes de la 4e brigade pour occuper la prison. Quand on a su que l'armée prenait le contrôle de la prison, on est parti à Medellín. J'arrive à la cathédrale vers 20h. Il fait nuit déjà. Les gardiens de prison sont là. Il m'explique que tout est sous contrôle. Sauf qu'Escobar est là. Il me salue. Il se plante face à moi et il me dit « Tu ne partiras pas. À partir de maintenant, tu es mon otage. Si les militaires interviennent, ou si tu essaies de t'enfuir, je te tue. S'ils me font sortir d'ici, ce sera pour me tuer. Je préfère mourir des armes à la main que de finir comme ça. » Mon père craignait autre chose qu'un simple transfert. Car Bogota, en avion, ce n'est pas très loin des États-Unis. Et il kidnappe le vice-ministre de la justice et le chef de l'autorité pénitentiaire. Escobar appelle une station de radio en Colombie. Il explique qu'il s'est replié dans un tunnel qu'il a creusé lui-même et qu'il commence à manquer d'air. C'est retransmis en direct. On apprend ensuite qu'au moment de l'appel, il avait quitté la prison 3 heures plus tôt. Il est parti tranquillement, par une porte, une fenêtre.
L'affaire a fait grand bruit à l'époque. C'était un vrai fiasco. On ne pouvait pas dire le contraire. Suite à l'évasion d'Escobar, le gouvernement est la risée du pays. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais plus question de le capturer vivant. Il s'agit de le tuer. C'était une excellente nouvelle. La police, la DEA, on était contents parce qu'on reprenait la traque. On reprenait la chasse au gros gibier. Nous voulons que les forces de l'ordre recherchent Escobar, le capturent et le traduisent en justice. Quand Escobar s'est évadé, on a créé une section de recherche commandée par un général de l'armée et un autre de la police. Quand il s'est évadé, le président Gaviria a compris immédiatement que c'était très embarrassant pour lui, pour toute la Colombie. Et il appelle tout le monde à l'aide. Je contacte l'ambassadeur américain pour demander à son pays un soutien, une assistance technique et tactique. C'est comme ça qu'est née la section de recherche. Ils mobilisent leurs équipements les plus sophistiqués pour nous aider à retrouver Escobar. Pendant les premières semaines de la section de recherche, sous mon commandement, Escobar commet deux attentats à la voiture piégée qui tue 34 policiers. Ce fils de pute, on lui file $1,5 million pour mener la traque contre nous. Mais il croit que j'ai peur de lui parce qu'il est flic. J'espère qu'il m'entend. Il faut qu'il sache que la mort l'attend. On l'écoutait 24 heures sur 24. Dis-le-lui, à ce gros tas de merde. Je sais qui c'est, le colonel Martinez. Dis-lui que je pardonne pas, que je ferai sauter sa famille entière avant de lui régler son compte. Entendre ces mots de la bouche d'Escobar, c'est terrifiant. En général, ses promesses, il les tient. L'évasion de Pablo Escobar en fait de nouveau un ennemi public. Et cette fois, tout le monde est prêt à lui résister. On aurait dit une ligue de justiciers qui s'élevait. Bon, maintenant, il y en a assez d'Escobar. J'étais vraiment très content d'assister au réveil du peuple colombien. Mais quelques jours plus tard, j'en savais déjà plus sur la réelle identité de ces pépés. Les pépés, contraction de persécutés par Pablo Escobar, ont informé publiquement Escobar qu'il réagirait en cas d'attentat perpétré en ville. Pour reprendre les mots du président, nous étions tous des pépés. En fait, les pépés, soutenus par le cartel de Cali, mènent une guerre intense et assassinent beaucoup de membres du cartel de Medellin afin d'éliminer ceux qui sont restés dans le camp de Pablo. Une voiture piégée a fait plusieurs victimes, dont plusieurs enfants et une mère de famille. Les pépés transmettent au passage toutes sortes de renseignements à la police nationale et au DAS. C'est une alliance de circonstances. Le cartel de Cali réussit à mobiliser la police, l'armée, la DEA et le DAS contre nous. Cali nous tenait. Cela dit, il faut rester prudent. Les organisations criminelles ne doivent jamais avoir un rôle positif dans ce que vous faites. Escobar était conseillé par un major de l'armée. Quand on a découvert nos planques, on ne pouvait plus s'enfuir. Le patron trouve alors deux cachettes de rechange. Le boss m'ordonne de capturer le major. Sous la torture, il nous dit qu'il rencarde la 4e brigade de Medellin. Le major parlait toujours de nos planques à sa femme. Il nous parle d'une opération militaire prévue dans quelques jours. Et il nous dit que sa femme va donner d'autres planques. Le boss savait déjà que c'était une femme enceinte qui les renseignait. Le major m'a donné son numéro, je l'ai appelé, on s'est donné rendez-vous dans une station-service et je l'ai tué tout de suite. Par correction, on a tué aussi le bébé pour éviter les souffrances inutiles. C'était très dur.
Le problème, quand l'armée intervient dans la traque de criminels, c'est que les opérations prennent un tour sanglant, sauvage, et ça se termine par des massacres et des actes démentiels. En le dépouillant de sa force de frappe et de ses soutiens financiers, il est moins puissant. Il se rend compte que sa famille est vulnérable. Il était prêt à tout pour faire sortir sa famille du pays. Quand j'ai appris qu'à la suite d'une intervention du procureur général, l'Allemagne était sur le point d'accueillir la famille d'Escobar, les négociations avec le gouvernement allemand ont été tendues. Je lui ai expliqué que pour la Colombie, c'était un problème très complexe, et que si le terrorisme s'aggravait ici, l'Allemagne en serait tenue pour responsable. Ici Pablo Escobar, depuis Medellín. Pour vous dire que si le gouvernement allemand refuse d'accueillir ma famille innocente, je m'en prendrai à des Allemands, citoyens, touristes et aux intérêts allemands en Colombie en général. La situation d'Escobar devient désespérée. Bien sûr, il menace les intérêts allemands, mais c'est vite retombé. Il gardait son pouvoir de nuisance, mais plus là où il le voulait, seulement là où il le pouvait. On a conduit la famille d'Escobar dans un lieu susceptible de leur garantir une sécurité absolue. Les opérations militaires et policières se multiplient dans le centre de Bogota, notamment autour des résidences Tequendama, où demeurent l'épouse et les enfants de l'ancien chef du cartel de Medellín. L'État dit qu'il nous protège tout en se servant de nous pour localiser mon père. On faisait partie du piège. Il y avait zéro protection. Ils disent qu'ils nous protègent, mais autour de nous, des gens disparaissent comme par magie. Des profs, des amis, tout le monde. Ici le frère de Pablo qui vous parle en son nom. Il n'est pas content car on embête sa famille. Laissez sa famille tranquille. Quiconque touche un membre de sa famille aura vite des problèmes. Tous les membres de la famille ont eu leur tête mise à prix. Pour moi, c'était 4 millions de dollars. Il était prêt à tout pour faire sortir sa famille du pays. À chaque fois, nous avons été là pour empêcher que ça se fasse. Plus les jours passaient, plus Pablo était vulnérable. En d'autres termes, ce n'était qu'une question de temps. Pour aider sa famille, il s'est dit qu'il valait mieux qu'il se rende, mais en demandant la protection des Nations Unies. Il se sert de journalistes célèbres pour essayer de convenir des modalités d'une nouvelle reddition. Allô ? Allô, Maria Isabelle, ça va ? Allô, Pablo Escobar ? Comme vous le plaisir. J'ai une faveur à vous demander pour le pays. Oui. On peut faire quelque chose pour que vous vous rendiez ? Écoutez, Maria Isabelle, je ne demande pas mieux. Je suis tout disposé à le faire. Je me suis évadé, mais croyez bien que c'est la dernière chose que j'avais envie de faire. Je l'ai fait parce qu'on voulait me tuer. On m'a tiré dessus. Nous trouverons le moyen de parler au président. Souhaitez-vous que je l'appelle, oui ou non? Dites au président que j'ai l'intention de revenir en prison, mais pas à celle d'Envigado. N'importe laquelle, mais pas Envigado. Je veux aussi m'assurer de mes conditions de sécurité. Comment on vous contacte? Comment on vous contacte? Je vous rappelle, pas de problème. Les journalistes m'appellent. Mais s'il se rend à nouveau, cela veut dire qu'il doit bénéficier de certains privilèges pour assurer sa sécurité. Et ça, c'est impensable. Le président s'engage auprès de la communauté internationale, mais ne peut accepter vos conditions. Je crains même que les gringos risquent de venir vous chercher au pays. Je collabore. Je ferai ce qu'on me demandera. Mais j'ai pas peur des gringos non plus.
On a fait tout ça pour vous éviter une extradition. Tant de sang pour éviter votre extradition, et vous dites que vous n'avez pas peur? S'il s'était rendu, on l'aurait accepté. Mais il n'a clairement aucune intention de se rendre. Et il campe sur ses principes, c'est-à-dire la destruction de l'État. Jamais je ne serai leur prisonnier. Et je les tuerai un par un depuis ma jungle. Et c'est moi qui gagnerai. On se retrouve dans une situation de combat. Les instructions étaient très claires. On capture ou on tue. Un jour, Escobar commet l'erreur d'appeler sa famille directement. La longueur de l'appel nous a permis de le localiser après une triangulation des données. Comment ça s'est passé alors pour votre protection? Le procureur a tout accepté? Tu as vu quelqu'un du bureau du procureur pour votre exil à l'étranger? On en reste là. Je te rappelle. Ok. Mais il dit qu'il me rappellera. Il ne le fait pas. Bien sûr, j'ai réagi sèchement. J'ai dit que je ne voulais pas lui parler. Et que je le tuerais lui. Et que je tuerais tous ses fils de pute moi-même. Je veux pas vous parler. Je vais vous tuer. Et je vais tuer tous ses fils de pute moi-même. J'ai retiré mes menaces 10 minutes après les avoir formulées. Alors j'ai pensé, mon Dieu, je suis parti pour reproduire ce que j'ai toujours reproché à mon père, sa façon de vivre et le mal que ça lui a fait. Ce n'est pas en renouant avec la violence et en me transformant en Escobar 2.0 que j'allais le faire revenir. À titre personnel, je précise sans ambiguïté que je ne chercherai pas à venger mon père, car la seule chose qui m'importe est le futur de ma famille, qui a déjà tant souffert. Pablo Escobar aimait sa famille, ses enfants Manuela et Juan Pablo, et Madame Tata. Il est mort pour eux. Je le croyais immortel. En le voyant à la télé, sur le toit, barbu, empâté, c'était lui. J'étais triste. Cette foule, à son enterrement, c'était incroyable. Tout le monde voulait toucher son cercueil. Les gens grimpaient dessus. Ce type était un monstre.